Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Patrice Di Marcantonio, bonjour. Bonjour. Qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, du Québec, oui. Et qui est en charge du centre d'expertise en logiciel libre du gouvernement québécois. Oui, c'est cela. C'est tout à fait ça. Alors, récemment, il y a eu un vote qui, en tout cas en France, nous a beaucoup, nous, adeptes du libre, plu, hein, qui est effectivement une motion qui a été adoptée à l'unanimité en faveur de l'usage des logiciels libres, hein, le 24 septembre dernier. Mm-hmm. Le contenu exact de cette motion, c'était quoi ? Ben, l'Assemblée nationale soulignait la journée internationale du logiciel libre, soulignait le travail qui avait été déjà réalisé par le gouvernement du Québec et demandait au gouvernement du Québec de continuer son action et d'accentuer même son action vis-à-vis du logiciel libre. Donc c'est vraiment une motion qui vient appuyer déjà le travail qui a été réalisé. Ouais, je peux quelle est l'histoire un petit peu justement du logiciel libre au Québec? Donc le logiciel libre, c'est pas nouveau. Hein, ça fait le gouvernement s'y intéresse depuis 2002-2003. Il y a eu des hauts et des bas, je dirais, dans cet intérêt-là. Mais l'histoire récente, là, ça a commencé, je vous dirais, en 2007. En 2007, il y a eu une poursuite d'une entreprise de services en logiciel libre du Québec contre une organisation gouvernementale qui avait fait un contrat de gré à gré avec Microsoft, pour ne pas le nommer, là, pour changer son système d'exploitation. Et ces gens-là disaient qu'il y avait aujourd'hui des alternatives. Donc il y a eu une instruction de cet élément. Et en 2010, il y a eu un jugement qui a donné raison à la firme de services conseil en logiciel libre. Et donc qui a condamné le gouvernement en disant que ça prenait des études sérieuses et documentées. Parallèlement à ça, le vérificateur général du Québec. Donc le vérificateur général, c'est une organisation qui dépend de l'Assemblée nationale. D'accord. Et qui vient faire des vérifications à l'intérieur du gouvernement pour voir si le gouvernement respecte les règles en matière de ces éléments-là. Et avait épinglé le gouvernement sur un certain nombre de problèmes au niveau de la gestion des ressources informationnelles. Mmh. Donc en 2011, le gouvernement a fait adopter une loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. C'est assez long. Et cette loi prévoyait la création du poste de dirigeant principal de l'information. D'accord. Donc le CIO du gouvernement du Québec. Le poste de dirigeant sectoriel de l'information dans chacun des organismes publics, donc les 130 ministères et organismes, et les postes de dirigeant réseau de l'information pour le secteur de l'éducation et pour le secteur de la santé. Et dans les responsabilités que ces personnes avaient, il y en a une en particulier qui touchait le logiciel libre, où il était demandé à ces gens-là de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le logiciel libre soit considéré au même titre que les autres logiciels. D'accord. Pour les systèmes d'information du gouvernement. Donc, une approche déjà, faire en sorte que le logiciel libre soit considéré de la même façon. C'est ça. Donc vous savez que les accords commerciaux internationaux, de toute façon, font en sorte qu'on doit être ouvert à toutes les solutions. Tout à fait. Parallèlement à cette loi, il y a une politique cadre qui a été adoptée par le gouvernement, donc par le Conseil des ministres, qui avait 5 volets, cette politique cadre. Et le 5e volet portait le titre de « Tirer profit des logiciels libres ». Et il y a aussi des règlements intérieurs au gouvernement qui sont adoptés par ce que l'on appelle au Québec le Conseil du Trésor, donc qui est plus une bibite qui est issue du monde anglo-saxon que du monde français. Mais le Conseil du Trésor, c'est 5 ministres qui ont la responsabilité de gérer le gouvernement au jour le jour, donc de prendre les décisions concernant toutes les ressources du gouvernement. Et donc cette directive du Conseil du Trésor avait un volet aussi où il disait que les ministères devaient démontrer qu'ils avaient regardé le logiciel libre dans ces éléments-là. En 2012, donc ça c'était en 2011, donc toute la structure... On essaie de mettre déjà tout le monde à égalité. Oui, donc toute la structure en 2011 là, de la loi, tout ça se met en place. Là, les choses, ça prend un peu de temps, ça se met en place. En 2012, le gouvernement décide d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants. Vous avez entendu parler du printemps arabe, donc il y a beaucoup d'étudiants qui descendent dans la rue.
Et il y a une série d'articles dans les journaux. Puis quand je dis une série, là, c'est, il y avait des articles quasiment tous les deux jours là, dans les journaux là, sur le fait que le gouvernement devait, devait regarder du côté du logiciel libre, que s'il regardait du côté du logiciel libre, il aurait certainement fait en sorte de ne pas augmenter les frais de scolarité. Enfin. Donc le gouvernement nous a... Moi, je travaillais à ce moment-là au bureau du dirigeant principal de l'information. Et le gouvernement nous a demandé de regarder... Il nous a posé trois questions, en fait. Il nous a demandé... Quelles sont les barrières à l'entrée pour que le gouvernement utilise davantage les logiciels libres? Quelles sont les normes et les standards ouverts que le gouvernement devrait retenir pour favoriser l'utilisation des logiciels libres? Et quelle est la stratégie que le gouvernement devrait mettre de l'avant pour mieux utiliser le logiciel libre? Donc on a réuni ce qu'on a appelé une table de concertation. Pourquoi une table de concertation? Parce que ça comprenait à la fois des gens de l'industrie du logiciel libre et des gens du gouvernement. Donc on avait autour de la table des représentants. On n'est pas allé chercher des entreprises en tant que telles, mais on est allé chercher des représentants de ces entreprises. Au Québec, on a plusieurs associations qui touchent au logiciel libre. Du côté des utilisateurs, je dirais plus, il y a une organisation qui s'appelle Facile, et leur dénomination, c'est Facile pour l'appropriation collective du logiciel libre. Il y a une autre association qui s'appelle l'APEL, l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre, qui a, elle, représente une quarantaine à peu près d'entreprises. Et puis il y avait une association qui est plus une association régionale, mais qui a un certain nombre de membres qui sont issus du logiciel libre. Donc on avait ces trois, le président, le vice-président et quelques membres autour de la table, plus des représentants des organismes. Et on a fait travailler ces gens-là sur ces trois questions. Et en décembre, on a remis notre rapport au ministre qui a pris ce rapport-là. En janvier, février, le ministre a décidé de rencontrer seul les entreprises, les représentants des entreprises du logiciel libre, leur a posé ces trois questions. Puis, étant donné qu'on avait travaillé ensemble, il a eu à peu près les mêmes réponses. C'est logique. Donc ça l'a conforté. Mm-hmm. Et en mars 2013, donc, il a annoncé une série de 8 mesures, dont parmi ces mesures, il y avait la création du centre d'expertise en logiciel libre qui a 3 mandats. Le premier mandat, c'est de positionner le logiciel libre dans l'écosystème du gouvernement. Le deuxième mandat, c'est de faire la promotion du logiciel libre, donc veille, formation, des choses comme ça. Et le troisième mandat, c'est d'accompagner les organismes publics dans leurs projets avec du logiciel libre. Donc on a, depuis 6 mois, construit le centre d'expertise, parce que au 2 avril, quand j'ai pris mes fonctions, le 1er avril étant férié, donc ça, on ne peut pas dire que c'est un poisson d'avril. Il a fallu tout bâtir, là. Il a fallu recruter le personnel, bâtir, avoir trouvé des locaux, etc. Mais depuis donc 6 mois, on a fait un certain nombre d'actions au niveau du logiciel libre. Par exemple, on a mis en place une plateforme de participation citoyenne pour le secrétariat à la jeunesse qui voulait faire une consultation auprès des jeunes pour les changements de la politique jeunesse du gouvernement. On a aujourd'hui le lancement d'un prototype de plateforme de collaboration pour les dirigeants sectoriels de l'information, les fameux DSI dont je parlais tout à l'heure, et leurs collaborateurs. On a un système d'effacement de disque dur qui est basé sur du logiciel libre. Donc on a un certain nombre de chantiers qui sont en route en gestion documentaire, en géomatique. On a aussi beaucoup de choses qui ont été faites. Donc il y a beaucoup de projets en cours et on est en train de planifier là, actuellement nos activités pour les prochaines années, surtout la stratégie que le gouvernement va mettre de l'avant dans les prochaines années. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Puis bien sûr, la motion là, est venue, ouais, vient appuyer et renforcer toutes ces actions. Les actions qui ont été lancées. Merci beaucoup pour ce focus sur ce qui se passe de l'autre côté chez nos cousins. Bah avec grand plaisir, puis bon courage aux Français pour, on va essayer, pour leurs actions. Voilà, ça nous donne en tout cas, on peut imaginer qu'il puisse se passer la même chose en France. Bah, je vous le souhaite. Merci. On aurait beaucoup de plaisir à collaborer en tout cas avec une structure identique. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.